des hommes et des femmes qu'on croise, sont des territoires, c'est l'ensoleillement, puis on voit le Mont Blanc même aujourd'hui. Donc voilà, je commence à prendre la mesure émotionnelle un peu de ces réalités, puis aussi ce bel accueil de tous ceux et celles qui m'ont accueilli là. Prêtres, responsables de service, économes diocésains, la radio, la communication. Donc voilà, c'est un début, mais prometteur. Alors évidemment, par rapport à l'Ariège, là aussi, si on cherche des analogies pour se rassurer, il y a à la fois la partie montagne et la partie plaine. Donc il y a ces deux réalités. On est un peu sur une autre échelle numérique et de dimension, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas vraiment d'échelle. En réalité, tous les territoires, tous les groupes humains sont importants. Oui, alors j'espère qu'ils n'ont pas trop d'attentes, parce que quand elles sont trop fortes, en général, elles sont déçues. Et puis, bon, on attend un évêque, mais l'évêque, c'est pas non plus le Messie, c'est quelqu'un qui, dans le peuple de Dieu qui est en Isère, va prendre sa place de ministre ordonné comme évêque, mais l'évêque n'est pas le tout d'un diocèse, donc tout ne repose pas sur ses épaules. J'arrive avec mes limites, avec un petit peu d'expérience, mais sans doute aussi avec des échecs, peut-être parfois avec des idées toutes faites, mais je compte vraiment sur le peuple de Dieu. Peut-être pour terminer, vous invitez très largement à venir assister à votre installation le 22 octobre. Peut-être un message d'invitation particulier pour que les diocésains se joignent à vous ce jour-là, 22 octobre à Grenoble. Ce n'est pas seul l'évêque qui reçoit cette mission. Un évêque sans son peuple, c'est rien. Enfin, c'est juste éventuellement un missionnaire, un témoin du Christ. Mais vraiment, pour porter cette responsabilité ensemble, il faut qu'on donne le signe que c'est ensemble qu'on va cheminer.